sabbat et bonjour et bon sabbat. Savez-vous que dans notre église, il y a un ministère très spécial? Un ministère qui s'est tellement développé, aujourd'hui est le deuxième plus grand ministère dans notre église en termes de participation. Il vient en second lieu après l'école du sabbat. Nous parlons du ministère des écureuils. Grâce à ce ministère, Dieu a touché le cœur d'innombrables personnes, y compris moi-même, et a changé leur vie. Par ce ministère, Dieu continue à bénir beaucoup de tous les âges. Aujourd'hui, je vous invite à honorer le ministère des écureuils. Avant de poursuivre, je vous invite à prier avec moi. Père Céleste, nous te remercions pour toutes tes nombreuses bénédictions dont nous avons été l'objet. Nous te remercions pour ce merveilleux sabbat pendant lequel nous sommes réunis pour te louer et t'adorer. Alors que nous ouvrons ta parole, nous te demandons de nous joindre du Saint-Esprit afin que nous puissions comprendre et entendre ta voix. Au nom de Jésus, nous te prions. Amen. Notre serment aujourd'hui s'intitule « Recentrer notre but ». Et notre texte de base se trouve dans Matthieu 14, verset 28. Pierre lui dit « Seigneur, si c'est bien toi, donne-moi l'ordre de venir vers toi sur l'eau. » Matthieu 14, verset 28. Dans nos vies, nous avons tous des moments privilégiés et uniques, ou des expériences que nous aimons nous remémorer. Des expériences qui ont laissé leurs empreintes dans nos cœurs et dans nos esprits. Des expériences qui nous ont enseigné d'importantes leçons qui ont façonné nos vies. Il pourrait s'agir de voyages, de célébrations, de lieux, de temporaires, d'événements, de personnes, de réunions de famille. Dans le cas de Pierre, l'expérience décrite de ce passage de la Bible était vraiment très spéciale et unique. Elle lui a appris une leçon importante dont nous pouvons aussi nous approprier. Il est bon de se rappeler toutes les expériences particulières et uniques que nous avons appréciées. Et l'une des meilleures manières de s'en souvenir, c'est de regarder des photos que nous avons prises. Combien d'entre vous aiment regarder des photos? Combien d'entre vous aiment prendre des photos? Et un selfie? Oui, cette fameuse photo que nous aimons prendre lors d'un événement avec nos amis ou notre famille. Qui peut me mimer la prise d'un selfie? Combien ont déjà pris un selfie aujourd'hui? Personne. Beaucoup l'ont déjà fait. Où gardez-vous toutes vos photos? Certains gardent leurs photos dans des albums, soit dans un classeur ou dans leurs ordinateurs. D'autres gardent leurs photos sur leur tablette. Et bien sûr, l'endroit le plus populaire où garder nos photos est sur notre téléphone portable. Beaucoup d'entre nous avons notre téléphone rempli d'images et parfois nous manquons de mémoire. Et nous devons effacer les vieilles photos. C'est vraiment difficile à faire, n'est-ce pas? Combien ont déjà eu ce problème? Je sais beaucoup d'entre nous, n'est-ce pas? Eh bien,
La vérité est que nous aimons les images. Quand les images nous rappellent ces moments spéciaux qui ne se reproduiront jamais. Aussi, en regardant les images, nous pouvons revivre des moments spéciaux. Car les images réveillent les souvenirs, les sentiments et les émotions des merveilleuses expériences vécues. Mais parfois, certaines photos ne sont pas toujours bonnes. Celles-ci ne nous aident pas à retrouver les moments et les expériences que nous avons appréciées. Une des erreurs les plus courantes de la photographie est de prendre une photo de telle manière que le focus, le centre d'attention, la concentration de l'activité ou de l'attention n'est pas là où vous voulez qu'il soit, causant ainsi une image floue. Quand cela se produit, vous ne voyez que les personnes, mais ne pouvez pas clairement reconnaître les visages, les lieux, les personnages, les activités. L'image peut aussi avoir trop de contraste. Alors, il y a une forte différence entre les zones claires et les zones sombres. L'image peut aussi être surexposée ou sous-exposée, ayant trop de lumière ou étant trop sombre, ce qui fait que vous ne pouvez rien voir. Malheureusement, trop souvent, nous constatons que les images sont hors focus au moment où il est trop tard pour reprendre la photo. Les gens ont changé de position, ils sont déjà partis, ou pire, l'événement lui-même est fini. Dans de telles circonstances, il est si difficile d'accepter que le caractère unique du moment ait été perdu. Le moment détail, les nombreux moments détails ont disparu. Et l'image n'a pas d'importance parce que l'accent n'a pas été où elle devait être. La splendeur du moment est perdue pour toujours. Avez-vous déjà eu une image hors focus? Les avez-vous encore? Beaucoup d'entre nous gardent toujours leurs photos floues, surexposées ou sous-exposées. Mais comme il serait agréable d'avoir la possibilité de reprendre les photos et les avoir claires et nettes, avec toute la beauté et les détails du moment spécial et unique, n'est-ce pas? Parce que le but de l'image était de capturer la splendeur du moment afin qu'il puisse évoquer des souvenirs, des sentiments et des émotions de l'expérience passée. Gardons cela à l'esprit. Revenons à notre texte. Ce texte est comme une photo parfaite avec un focus parfait, dont nous pouvons tirer trois leçons importantes. Ici, nous nous retrouvons à un moment spécial et unique de la vie des disciples, qui mérite des images claires, nettes et non floues. Ils venaient tout juste de vivre un incroyable moment avec Jésus. Il avait guéri les malades, Matthieu 14, verset 14, puis fait un étonnant miracle par lequel plus de 5000 personnes avaient été nourries avec seulement 5 pains et 2 poissons. Matthieu 14, verset 17. Et il en restait 12 paniers, et avec les morceaux. Pour les disciples, ce fut un jour mémorable, rempli de moments et d'expériences, qui ont laissé beaucoup de traces dans leur cœur et dans leur esprit. Ils avaient un rôle à jouer dans les miracles que Jésus avait opérés, mais n'en comprenant pas pleinement la raison et le but. Marc 6, verset 52. Les disciples n'étaient pas encore capables de voir avec des yeux missionnaires. Par conséquent, Jésus a planifié un miracle qui toucherait leur vie d'une manière personnelle, afin de les aider à se concentrer sur celui qui est le centre de tous les miracles, c'est-à-dire Jésus lui-même.
Nous avons tous connu des situations orageuses. Cela nous amène à notre première leçon. Maintenant, les disciples sont dans un bateau au milieu de la mer de Galilée. Il y a une grosse tempête avec des vents soufflant fort et se transformant en ouragan et d'énormes vagues frappant le bateau, le faisant échapper à tout contrôle. C'était comme si le bateau allait se retourner et couler avec la force des vagues. La tempête les avait fait dériver au loin des côtes, sous plus de 3 miles. On était entre 3h et 6h du matin, connus pour la quatrième veille de la nuit, et ils avaient lutté pour leur survie pendant plus de 8 heures. Pouvez-vous vous imaginer dans cette situation? Pouvez-vous imaginer les émotions et les pensées des disciples? Ils étaient pétrifiés, épuisés et habités par un sentiment d'humiliation, de déception, de ressentiment, de patience et d'incrédulité. La situation n'avait pour eux aucun sens. Ils avaient du mal à comprendre comment, juste quelques heures plus tôt, ils avaient été témoins et avaient vécu des moments étonnants et surnaturels avec Jésus. Et maintenant, ils étaient troublés, craintifs, leur foi avait été mise à l'épreuve et ils avaient perdu de vue le centre d'attention. Leur attention n'était pas là où elle le devait. Qu'en est-il de nous? Combien de fois avons-nous vécu des merveilleux moments remplis de formidables rencontres et d'expériences et de miracles? Peut-être au travail, à l'école, à la maison, au camporé ou au congrès. Qui ont laissé de merveilleuses empreintes dans nos cœurs et nos esprits, expériences que nous chérissons et aimons nous rappeler. Toutefois, en raison d'une tempête inattendue dans nos vies, nous nous retrouvons à la dérive, loin de ces souvenirs. Sommes-nous alors perdus loin du rivage, sur une mer de difficultés sombres et orageuses? Fatigué, épuisé, habité par un sentiment d'humiliation, de déception, de ressentiment, d'impatience et d'incrédulité. Parce que nous aussi, nous avons essayé de contrôler la situation, mais avons été incapables. Notre foi a été mise à l'épreuve et notre attention n'était pas là où elle le devait. Et nos photos sont floues, sur ou sous-exposées, par conséquent, nous commençons à perdre de vue notre but. Jésus vient toujours calmer nos tempêtes au moment inattendu. Regardez les disciples. Ils luttaient et avaient du mal à ramer à cause qu'un fort vent contraire, Matthieu 14, verset 24. Au milieu de toutes ces turbulences, Jésus se montra et se rapprocha d'eux. Et cela nous amène à la deuxième leçon. Au début, quand les disciples virent Jésus marchant sur l'eau, ils eurent peur. Ils dirent, c'est un fantôme. Et poussèrent des cris. Matthieu 14, verset 26. D'abord, ils ne furent pas en mesure de reconnaître Jésus. Quand ils le virent marcher sur l'eau, mais presque immédiatement, les disciples reconnurent que le fantôme était Jésus. Et
Il leur a rapidement dit, rassurez-vous, c'est moi. N'ayez pas peur. Matthieu 14, verset 27. De nouveau, ils ont crié. Cette fois-ci, non pas à cause de la peur, mais pour solliciter l'aide de Jésus, qui bien sûr, n'a pas manqué de répondre. Aujourd'hui, nous pourrions vivre une situation similaire. Nous pourrions passer des situations difficiles, des tempêtes qui nous donnent l'impression que nous sommes sur le point de nous retourner et de couler. Cependant, Jésus marche vers nous. Il se rapproche de nous, peut-être pas au moment qui nous semble opportun. Mais Jésus sait quel est le meilleur moment pour se montrer dans nos vies. Considérez l'expérience des disciples lorsque le bateau était loin du rivage et tout espoir semblait être perdu. C'est alors que Jésus est rentré en scène, apportant le courage et la paix. Une chose d'importante à souligner, c'est qu'en marchant sur l'eau, Jésus a montré à ses disciples que l'élément qui les effrayait, l'orage intense, violent, qui faisait rage sur la mer, a été l'occasion pour lui de se rapprocher d'eux. Il en est de même pour nous aujourd'hui. Les moments difficiles que nous redoutons, comme les problèmes avec les amis ou la famille, les maladies, la crise financière, les handicaps, la perte d'être cher, sont simplement des opportunités qui peuvent rapprocher Jésus de nous. Quand il vient dans nos vies, il peut donner le courage et la paix que nous cherchons désespérément. Notre but doit être centré sur Jésus. Afin et surtout, il y a quelqu'un d'important dont nous devons faire mention. C'est Pierre. Pierre était un éclaireur. Il était meneur, aventureux, parfois peut-être têtu, mais prêt à faire des choses que personne d'autre n'avait fait auparavant. Au milieu de la tempête, de l'eau turbulente et du vent fort, Pierre disait à Jésus qu'il voulait aller vers lui. Je ne sais pas combien d'entre vous sont prêts à sortir de la maison, de la voiture, la tente, au milieu d'une violente tempête. Eh bien, peut-être que la plupart d'entre nous sommes plus à l'aise en restant dans un endroit chaud, calme, sec, sécurisé, tandis que la tempête se poursuit. Pierre voulait tout faire pour le Seigneur. Il attendait juste que Jésus lui commande de sortir du bateau et d'aller sur l'eau pour le faire. Ce qu'il fit. Pouvez-vous imaginer la scène? Si vous regardez le moment privilégié et unique de Pierre, il a dû sortir du bateau en plein de foi. C'est la foi qui l'a porté sur les eaux tumultueuses et lui a donné la flottabilité. Mais la foi n'a été activée que tant qu'il a gardé ses yeux fixés sur Jésus. Lorsque Pierre marchait sur l'eau vers Jésus, sa vue focalisée sur lui, apparemment, pendant ce moment, Pierre oublia le vent et les vagues. Alors que ses pieds s'habituaient à marcher sur la surface de l'eau, il pensa évidemment à ses compagnons dans le bateau et se demanda ce qu'ils pensaient de sa nouvelle compétence.
Tournant son regard momentanément vers le bateau, il perdit Jésus de vue. À ce moment, il était dans le creux entre des deux vagues. Quand il ramena son regard là où Jésus s'était trouvé, il ne pouvait plus le voir. Tout ce que Pierre a pu voir, c'était l'eau turbulente et le vent violent. Un instant d'autosatisfaction avait remplacé la foi par la fierté. La foi avait donc perdu son pouvoir de porter. La peur s'était emparée de Pierre et avait rempli son cœur et son esprit. Il ne pouvait rien faire, absolument rien, si ce n'est que de crier Jésus à l'aide. Oui, l'objectif de Pierre était d'aller à Jésus. Il était focalisé sur le fait de se rapprocher de lui. Peu lui importait la tempête, le vent, la situation à laquelle il avait été confronté. Toutefois, aussitôt que Pierre porta ses regards ailleurs, quand il s'est concentré sur ses propres intérêts et désirs, tout s'est effondré. Qu'en est-il de nous aujourd'hui? Combien d'entre nous ont vécu la même expérience? Personne. Ou combien passent par cette expérience? Personne. Nous savons déjà sur qui nous devons fixer le regard. Nous savons quel est notre but et nous savons que notre foi sera suffisamment forte pour nous porter aussi longtemps que nous gardons nos yeux fixés sur Jésus. Nous connaissons déjà tout cela. Mais malheureusement, beaucoup de personnes se sont détournées de Jésus et les choses tombent en ruine dans leur vie. Beaucoup sont en train de sombrer et ont grand besoin de Jésus pour les aider. Maintenant, nous devons nous rappeler que lorsque nous gardons toute notre attention sur Jésus, sa puissance et son incroyable amour pour nous, notre foi, notre attention sur Jésus, sa puissance sera assez forte pour supporter toutes les tempêtes et que nous pourrions vivre. Par conséquent, nous devons faire ce que Pierre a fait. Il a recentré sa vue sur Jésus et réclamé son aide. Aussitôt que Pierre appela à l'aide Jésus, immédiatement il fut secouru. Nous pouvons faire de même. Nous devons avoir l'assurance qu'il n'y a aucun retard de la part de Dieu lorsqu'il s'agit de répondre à la prière sincère pour la délivrance des vagues de la tentation qui toujours et maintenant balaye l'âme. Tant que notre vue et notre confiance sont centrées sur Jésus, nous n'avons rien à craindre. Sa grâce et sa puissance sont toujours présentes. Mais dès que nous tournons notre regard sur nous-mêmes et sur les autres, nous avons de bonnes raisons d'avoir peur. Maintenant que nous savons que Jésus est prêt à répondre à nos cris, à nos prières et à nos besoins, il nous appartient de lui permettre de se rapprocher de nous. Cela dépend de nous. Rappelez-vous simplement l'expérience de Pierre. Il était une personne déterminée, un disciple qui a dit des choses et les autres se contentaient seulement de penser. Il était prêt à faire ce que
d'autres ne feraient pas. Pierre était résolument centré sur Jésus. Son désir le plus profond était de suivre Jésus. De suivre Jésus de tout son cœur. Mais à plusieurs reprises, il a commis des erreurs et il s'est détourné de Jésus. Il a donc commencé à couler et à se noyer. Permettez-moi de vous demander où vous situez-vous dans cette histoire. Vous voyez-vous plutôt comme Pierre? Êtes-vous prêt à demander à Dieu de vous utiliser? Désirez-vous sortir de la zone de confort et marcher sur l'eau? Éprouvez-vous le besoin de recentrer votre vision sur Jésus parce que vous coulez? Ou peut-être vous voyez-vous plutôt comme les disciples dans la barque, attendant juste pour voir ce qui va arriver à Pierre. Qu'en est-il de nos éclaireurs? En tant qu'éclaireurs, nous avons une devise, un engagement et une loi, et nous les aimons parce qu'ils disent que nous sommes ce que nous faisons. Et pourquoi nous le faisons? Tous nous guident et nous aident à nous préparer et être prêts à accomplir notre but, notre mission. Le message de l'Adventiste au monde entier en ma génération. Ce n'est pas juste un simple but. Et l'objectif, c'est une merveilleuse mission. Matthieu 28, verset 19 à 20. Mais laissez-moi vous demander, en tant qu'éclaireur, où vous situez-vous dans cette histoire? Voyez-vous comme Pierre, prêt à sortir de votre zone de confort et à partager les bonnes nouvelles de manière novatrice et pertinente? Éprouvez-vous aussi le besoin de recentrer notre vision sur Jésus? Parce que vous avez été distrait par la tentation. Ou peut-être voyez-vous plutôt comme les disciples dans la barque à l'aise dans le club des éclaireurs, attendant juste de profiter des événements, des foires, des randonnées, des camporées. Peut-être collectant autant d'épingles et de badges que possible et obtenant tous les honneurs disponibles pour avoir l'écharpe la plus chargée et l'uniforme le plus décoré, comme celui de Chetan Katia. Rappelez-vous que le but des éclaireurs, le message adventiste au monde entier en ma génération, doit également être votre but. Nous avons tous été à partager l'évangile pour tout le monde sache que Jésus les aime, qu'il a donné sa vie pour chacun de nous et qu'il vient bientôt pour nous ramener à la maison au meilleur camp pourri de l'univers. Jean 3, 16. Cela doit être votre but. Et si vous l'avez perdu de vue, il est temps il est temps de se remettre sur la bonne voie. Il est temps de recentrer votre passion et votre vision sur Jésus. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non celles qui sont sur la terre. Colossiens 3, verset 2. La question demeure. Souhaitez-vous avoir des images claires, nettes, bonnes et belles
de chaque moment spécial et unique de votre vie. Si tel, il est votre désir. C'est maintenant le temps de recentrer vos intérêts et vos actions sur Jésus. Pierre l'a fait et Jésus l'a sauvé. Il a calmé la tempête et lui a apporté la paix, non seulement à lui, mais également à tous les disciples. La vérité est que nous avons tous des difficultés prêtes à surgir comme des tempêtes de nos vies, mais Jésus est toujours prêt à venir vous les calmer au moment inattendu. Nous devons seulement garder les yeux fixés sur Jésus. Il est prêt à répondre à nos prières, répondre à nos besoins et nous ramener en lieu sûr. N'oubliez jamais que Jésus est le maître faisant de ce qui semble être une catastrophe le plus merveilleux des miracles de victoire et de la restauration. Romains 8, verset 28. Par conséquent, si vous êtes conscient que vous devez vous recentrer sur Jésus, sur l'objectif Jésus, n'attendez pas, faites-le tout simplement. Nous avons l'assurance qu'il n'y a de la part de Dieu aucun retard pour répondre à la prière sincère. Hébreux 12, verset 2. Je